Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment fabriquer très simplement une selle pour votre moto ou votre mobylette. Pour moi c'est pour une mobylette justement. Donc la première étape qui est facultative bien sûr, c'est de récupérer une ancienne selle de vélo et justement de prendre la partie en gel que l'on va pouvoir faire fondre dans une poêle très facilement. Donc après quelques minutes, le tout commence à fondre, il faut bien sûr être à feu doux pour ne pas le brûler. Ensuite, on va couler le gel chaud dans un moule. Alors moi, j'ai pris une mallette en plastique pour que ce soit quelque chose d'assez rectangulaire. Une fois que c'est sec, le démoulage est très rapide et très facile. Donc on enlève tout simplement notre plaque de gel et on va pouvoir ensuite l'utiliser pour la mobylette. Donc voilà ce que ça devrait vous donner. Donc une plaque assez épaisse et d'un gel qui va être extrêmement agréable pour la selle. La deuxième étape, c'est de fabriquer une housse pour votre selle, donc en faux cuir et en mousse à molletonner. Donc c'est la partie blanche que vous voyez sur le dessus. Donc vous commencerez par faire tout le contour de votre selle, donc la forme que vous désirez, et vous séparez en plein de petits boudins entre guillemets pour que ça ressorte sur la selle. Ensuite on fait un contour toujours en faux cuir et on fait des coutures devant et derrière de façon à ce que ça ferme la selle. Une fois que c'est fait, on retourne la housse et ça nous donne un petit aperçu de ce que va devenir la selle. Il va falloir remplir cette housse avec de la mousse. C'est pourquoi il faut que vous découpiez à la forme désirée, donc des morceaux de mousse. Alors moi j'en avais plusieurs petits, du coup je les ai assemblés. Et avec de la colle époxy, c'est très résistant. Il faut que ce soit de la mousse vraiment épaisse et dense. Enfin vous aurez besoin du contour de votre future selle en contreplaqué ou en bois très fin. Donc on va commencer par mettre le gel dans la housse. Donc moi je l'ai mis du côté conducteur parce que j'en avais pas assez pour en mettre partout. On rajoute la mousse. Et on termine en mettant le morceau de contreplaqué. On va maintenant agrafer le faux cuir sur le contreplaqué. Donc pour cela, il y a une petite technique, c'est qu'il faut toujours mettre des agrafes à l'opposé de celles qu'on vient de poser. C'est-à-dire on fait les diagonales, mais aussi devant, derrière, etc. Voilà à quoi ça ressemble une fois que tout est bien tendu. Dans ma mobylette, le réservoir est sous la selle, c'est pourquoi je vais devoir faire quelque chose qui s'ouvre. Donc j'ai réalisé cette partie en bois que vous voyez là. Donc elle est biseautée sur le bord, j'ai fait ça à la ponceuse. Et au centre, donc j'ai tout vidé pour pouvoir passer l'entrée d'essence. Le petit trou que vous voyez à l'arrière, c'est pour mettre une clé et que ça puisse se fermer assez simplement. Ensuite, les quatre trous sont destinés à mettre des vis pour le fixer au porte-bagages arrière. À l'avant, j'ai fait un trou pour le tube de l'ancienne selle et de chaque côté, j'y ai mis des petites charnières que l'on va devoir fixer sur la partie qu'on vient de faire, donc la partie en mousse.
voilà comment ça devrait se fixer et ainsi donc fermer la selle. Vous avez ici un bref aperçu de la serrure que je vais mettre dedans. Donc de l'autre côté, en fait, il y aura une petite clenche qui permettra de verrouiller la partie supérieure. Donc tous les trous vont se mettre bien sûr dans le porte-bagages. Voilà à quoi ça devrait ressembler. Pour le côté esthétique, on va peindre la partie en bois en noir. Donc ça permettra ensuite de bien s'intégrer à la mobilette. Voilà à quoi ressemble la mobilette, et donc j'ai placé la selle ouverte dessus pour pouvoir mettre les vis. Le profil est plutôt réussi. Pour le fixer au porte-bagages, on met 4 vis dans les trous qu'on vient de percer tout à l'heure. Après avoir placé la serrure, il suffit de l'ouvrir par le dessous. Cette selle est très pratique pour mettre de l'essence, il suffit d'enlever le bouchon juste ici. Pour la serrure, donc, vous avez vu le petit loquet de tout à l'heure, et il s'enclenche dans un second qui est fixé à l'avant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à vous abonner.